Bonjour Gaëlle, bonjour Guinée Ferdinand, bonjour Ronald, bonjour à tout auditeur Radio Caribio et bonjour à tout le monde Plaisance. Bonjour Bob C. Eh bien, qui ça journal dominicain aussi, matin là, selon le journal El National, conseiller général dominicain Tchou Basquès révoqué plusieurs employés qui c'est tout membre d'un parti qui est au pouvoir dans la ville de New York. Ancien ministre intérieur, qui c'est Tchou Basquès, que le président Abinader a quitté dans le poste ministre intérieur. Et nommé le consul général dans la ville de New York, et bien révoqué plus de 22 employés dans le consulat ça, et un mois après que le prêté serment. Selon le consulat, employé ça, était déjà pensionné par l'État, et la loi punit tout Dominicain qui a fait faute ça. Employé ça, a joué gros privilège dans le consulat, pour qu'on y a, il pourra affronter la justice pour faute, parce que plusieurs dans yo étaient déjà joints et pension yo. Et il a profité de ça à cause de tous ces membres d'un parti qui est au pouvoir, qui se parti, lui, Abinader, président là-dedans. Selon le journal OI, 4 jours après que le président Abinader ait pris en charge, lui, ensemble avec le président et premier ministre Belgique, là, pour combattre toute drogue qui pour aller en Europe, surtout dans le pays Belgique. Autorité dominicaine, dans un conteneur, hier, ils ont joué 1,3 tonnes de cocaïne qui t'a parlé dans la ville Belgique. Autorité dominicaine a annoncé hier, dimanche là, un contrebande qui t'a trouvé dans plusieurs conteneurs remplis de cacao organique qui parlait dans le pays Belgique. Après un appel téléphonique, tout de suite, ils ont commencé l'opération SAO qui aboutit grâce à Rayon X, ils ont gagné, qui ont été. Et il reste à l'autre dans le contenant sans yo. En présence de plusieurs juges de paix, il était ouvert le contenant yo, et bien, il était 55 sacs remplis avec cocaïne là-dedans et avec cacao organique qui t'a parlé dans le pays Belgique. Selon le journal El Día, 2 jours après un match pacifique et un match qui était réalisé avec plusieurs groupes nationalistes dominicains contre Haïtiens, et bien, et autorité dominicaine, et bien, le président Abinader qui désignait hier, il y a un gros général, et bien, dimanche là, almirant général Louis-Raphaël Liban, Ballester comme nouveau directeur immigration parce que Bétan c'est pas fait travailler selon l'État dominicain. Selon un décret 560-2 que pour l'exécutif là a été fait sortir samedi, dernier directeur ça, eh bien, le nouveau directeur c'était un monde qui était responsable commando communication l'État dominicain et avec plusieurs autres départements dans l'État. Eh bien, pour qu'on y a, Lee Ballester, c'est lui qui directeur immigration. Hein. Côté, nous connaissons 1000 tests, il n'y a pas joué, c'est pour cette raison, en pile plein et en pile et organisation dominicaine commencent à faire, en pile par en pile, côté haïtien, surtout dans la ville de Puerto Plata et dans la ville Santo Domingo. Selon le journal El Día, ancien candidat maléré pour poste président dans Santo Domingo, Abel Martinez, mandé pour le gouvernement commencer à réaliser des plantations massives. C'est le seul moyen pour freiner une quantité haïtienne qui est déjà sur le territoire dominicain. Des plantations sans eau doivent être faites selon la loi. Eh bien, l'idée dans cette autorité dominicaine qui a vendu faux visa avec Haïtien, surtout dans la zone frontalière, eh bien, ancien président Chambre député à tout, qui c'est tout ancien magistrat de Santiago, mandé pour l'État dominicain faire un pile pressé parce que avec présence Haïtien, souveraineté pays dominicain lié en danger. Et n'a pas bien tout, je dis, a fait 5 jours depuis sénateur Antonio Maltès a annoncé que lui-même et Liban et l'autre pour aucune machine et pour aucun chauffeur machine palio pas monter haïtien et comme ça prend un pile pression sous des moun qui a loué kay avec haïtien pour yo pa bayo kayo et bien pour yo pa loué haïtien kay encore en espagnol selon le sénateur Antonio Maltès. Selon la liste indialio, yon Dominicain touye Madame Lee avec plusieurs coups de couteau et blessé 2 petites Lee ensuite, il touye tête Lee. Incident a passé dans la Villa Vega, côté Monsieur Sakiri Jesus, tapoual mené Madame nan, nan airport, ensemble avec 2 petites filles. Et pendant ce temps, il profite, pendant le temps de la machine, nan, li ba Madame Lee boue yon poison et ensuite, Madame n'a pas mouru, il voyait un poison an, et tout de suite, il est rentré avec coup de couteau, tué Madame Nan, et pour qu'on y a, monsieur lui-même tout qui tient tête li, et la justice dominicaine a demandé, côté ça pour aller, parce qu'il y a pile violence en Dominicanie, dans le moment, côté n'a parlé là, yo. Et bien, matin, gagne de seul, si vous soit pas acheter $1 américain matin là, ou a besoin de 60,02 centimes, et bien, soit vendre, il y a baou 60,26 centimes, et si vous pas acheter €1 matin là, il y a baou 66, 95 centimes et soit pas le vendre et ou a yabao 68,10 centimes. Maintenant là, nous avons 2 questions. Puisque gaz là, diesel avec gasoline avec kérosène, il été même pris à cause du président qui part dans le pays, et bien c'est dès demain, et selon le journal, gaz là avec gasoline a gagné d'autres prix, mais par rapport à l'absence président, gaz a été obligé de cambier même prix
qui est d'avant dans temps longtemps. Eh bien, il y a trois questions qui ont écrit là, dans ce que nous avons dit, qui département dans l'État qui contrôle les compagnies téléphoniques dans Pagnol? Eh bien, le département qui contrôle les compagnies et l'armée dominicaine, c'est le premier département qui contrôle toute communication dans le pays. Nous avons parlé de Saint-Domingue, deux compagnies téléphoniques, il y a Claro, il y a tout, ça veut dire Altice. Et toute communication, c'est l'État qui gère. Il n'y a pas d'accord pour étrangers gérer communication dans le pays dominicain. Deuxième question, je me demande comment le travail public gère la route nationale? Comment gère la route nationale? Eh bien, il y a des machines et couleur blanc et jaune. Eh bien, chaque pick-up, ça a 8 à 6 militaires dans yo, mais militaires qui préparent pour circulation. Et les machines n'ont pas en panne dans la route, et les machines n'ont tout, et il y a quelques problèmes. Et tout suivant, il y a des radars dans tout là, surtout sous zone studio. Le monde qui habite à Saint-Domingue, pour les machines sont toujours installées dans tout là pour empêcher des mondes qui ont des problèmes là pour gagner aux soins et bah, tout et protection en cas de que tu as besoin. Troisième question, je me demande pendant la réunion dans l'ONU, eh bien, qui est l'État dominicain qui a bénéficié dans la réunion ça yo? Eh bien, qui ça rejoint? Premièrement, il rejoint bénéfice de que l'État américain a accepté pour Saint-Domingue mettre 3 consulats en plus dans le pays. Yo, et ensuite, il a ouvert business avec Équateur, Guatemala et avec Belgique. Et troisième question posée maintenant, eh bien, je me demande qui ça qui t'a passé? Eh bien, si il y a un monde qui est dans l'État et qui t'a déjà pensionné et non t'a retrouvé dans le pays l'État encore. Eh bien, moun ça, selon l'article 725-2, il y a un monde qui était dans l'État, il y a pensionné dans l'institution, eh bien, soit trouve dans l'institution encore, eh bien, ou risque de passer 15 ans en prison parce que c'est l'État qui a violé et l'État qui a tout bas. Guerrier, avant nous aller, dans ce moment-là, en pile haïtien, et guerrier, il y a un qui a sauté dans la Pagnol. Malgré, il était tendu en nouvelle côté ministre des Affaires haïtiennes a déclaré ligue contrôle tout ce qui est en Pagnol, mais pour le moment haïtien Sayo qui Santiago haïtien Sayo qui San Pedro Macorís qui dans capitale là, yo pas qu'à sortir dans la rue et déjà gan pile moun qui a pour entrer la caillou qui a mettre dehors cette migration hein, dans sens ça et yo tout dit moins pour notamment Johnny Ferdinand avec Onal avec Gary de Seul, dit un petit mot pour eux même si c'est en seconde seulement parce que dans moment là puisque nous connaît président dominicain hein, nommé en général dans tête immigration hein, là nous comprenons ça avec Johnny Ferdinand ou même qui a expérience dans famille de ça yo, mais yo même tout yo pas qu'à sortir yo pas qu'à aller ken côté même des haïtiens qui gagne boutique dans Saint-Domingue yo veut faire une boutique là et yo pas qu'à rester dans caillou qu'on y a là yo demande qui ça peut ta faire est-ce que l'état haïtien au courant de ça passer là yo dit Ronald avec guerrier de seul avec Johnny Ferdinand dit un petit peu matin parce que yo même yo pas qu'à encore surtout dans ville Santiago surtout dans Santo Domingo et Punta Cana merci tout le monde. Et à mercredi prochain.